know you want. One night to give in to what you want. And misbehave, I know you are. Looking for trouble, cause here you are. Looking my way. I'm not a saint, I'm not a god. But I'll be sure I'll melt your heart. Don't be afraid, I'll make it high. Cause my love won't take you to heaven. I'll take you to hell. Ça va, Antea? T'as pas dit un seul mot depuis ce matin? Oui, oui, tout va bien. Moi, t'es sûr que tu ne me caches rien? T'es bizarre depuis quelques jours. Mais non, tout va bien, je t'assure, et non, je te cache rien. C'est juste que j'essaie de rester concentré. Tout ce qui m'importe, c'est d'arrêter le photographe. Ouais, si tu le dis. Bon, je crois qu'on arrive bientôt. Quand j'étais au commissariat l'autre jour, j'ai essayé de fouiller dans les ressources de la police pour savoir si Nicolas avait des alibis au moment de chaque meurtre du photographe à Tomarong. Et jusqu'à maintenant, tous les meurtres coïncident avec un moment de la journée où il est impossible de savoir où il était précisément, ni ce qu'il faisait. Ce n'était jamais un moment où il était avec moi au commissariat ou chez moi. Il reste donc plus que jamais un suspect sérieux. Par contre, ça commence à être difficile de cacher mes soupçons à Nicolas. Il a remarqué que quelque chose avait changé dans mon comportement. Il peut vite comprendre qu'il est devenu mon principal suspect. Et finalement, j'y ai beaucoup réfléchi et ça peut être une bonne stratégie. Si Nicolas est vraiment le photographe et qu'il sait que je le soupçonne, ça va complètement le déstabiliser. C'est là qu'il pourra commettre des erreurs et il en suffit d'une seule. Je cherchais un moyen de déstabiliser le photographe pour le pousser à faire des erreurs. Voilà mon plan. Enfin, si Nicolas est bien le photographe. Bonjour à tous, c'est Asteria. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. On se retrouve pour l'épisode 10 de Profileuse. Alors, les choses vont commencer à s'accélérer, puisqu'on n'est plus qu'à quelques épisodes de découvrir la vérité sur le photographe. En tout cas, comme vous avez pu voir dans le machinima d'intro, Antea commence à avoir du mal à cacher ses soupçons sur Nicolas, puisqu'il a remarqué qu'elle n'était pas comme d'habitude depuis quelques jours. Mais de son côté, Antea continue à enquêter pour essayer de prouver que Nicolas est bien le photographe. Et si Nicolas découvre qu'il est son principal suspect, elle a décidé de ne pas démentir et de ne pas lui cacher, puisqu'en fait elle pense que ça peut être une bonne stratégie pour le déstabiliser. Enfin bref, comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et à me laisser un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Allez, c'est parti pour la suite de cet épisode. Et on se retrouve avec Antea, il est 8h du matin, nous sommes vendredi.
Alors, aujourd'hui, elle ne travaille pas. Ouais, d'ailleurs, elle a 3 jours de repos. Mais bon, du coup, nous, on fera que 2 jours sim. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, on aura le temps de faire pas mal de choses vu qu'elle ne travaille pas. Et notamment, on avait coché ces tâches-là de promotion, mais par contre, il fallait toujours qu'on atteigne le niveau 8 de la compétence charisme. Donc, on va essayer de faire ça. Et on va aussi essayer d'inviter nos parents. Ah, j'ai reçu une amende. Bah, super. Donc, je disais, oui, on va essayer d'inviter nos parents et on va. Pourquoi pas essayer de se balader aussi en ville, ça peut être sympa. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau de ses besoins, elle a faim et elle a besoin de prendre une douche. Et vous savez quoi? Elle prend jamais de bain, donc j'ai bien envie que pour une fois, elle prenne un bain. Ah, il va falloir s'occuper du linge aussi. On va faire ça. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge, je ferai ça après. Et après, elle ira manger un morceau. Ah ben mince, qu'est-ce qui s'est passé avec les poubelles là? Elles sont pleines, c'est dégueulasse. Pauvre Anté, en plus, elle les soignait. Elle va pas être bien dès qu'elle va rentrer dans la cuisine, donc ouais. Il faudra qu'elle vide ça. Ah, on a reçu nos rapports de droit d'auteur, ça c'est bien. Allez, là, elle est en train de s'occuper du linge. Par contre, évidemment, elle n'a pas lancé la machine, donc comme d'hab. Voilà, là, elle est partie vider la poubelle et après, elle ira manger un morceau. Ah bah tiens, ouais, elle peut prendre un brunch. Comme il est déjà 10h30, ça peut être sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va se faire? Des toasts avec œufs, ouais, elle va faire ça. Ah, il y a notre proprio en visite, bah pour une fois qu'on est là. C'est un truc de dingue, ça. Et eh ben, du coup, on va pouvoir l'accueillir, quoi. Et ben, elle est là. Ouais, ben, du coup, invitée à entrer. Ah, il y a notre maman qui nous appelle. Petite question. Nancy Plénosas et moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée? J'adore les Sims qui te demandent si c'est une bonne idée de passer du temps avec quelqu'un, quoi. Ben, on va dire, ouais, vas-y, quoi. Je crois que tu devrais te lancer. Ah, c'est bon, on t'y arrive, voilà. Et normalement, notre proprio va pouvoir rentrer. Ah non, pas tout de suite parce qu'elle n'a pas encore invité à rentrer. Ouais, c'est bête en vrai. Elle rentre devant lui, quoi. Ok, bon, au moins elle a lancé la machine. Ah non, mais attends, non. On va d'abord l'inviter à rentrer avant de faire ton truc, là. Invite-le à rentrer d'abord. Et après, tu prépares à manger. Ah mince, faudra qu'elle aille aux toilettes aussi. Oh, ça brave. Voilà, ça c'est fait. Bon, et après, tu fais enfin ton brunch. Reprendre toast avec œuf. Et la pauvre, au final, il est midi et demi, elle a toujours pas fait son brunch, elle a toujours pas mangé. Oh non, regardez ce qui s'est passé là. Oh non, mais je suis dégoûtée. Eh mais notre proprio, il peut pas réparer. Il est là, sérieux, il peut pas réparer. Ah non, il est déjà parti. Bah, génial. Qu'est-ce qu'il a fait en vrai? Bon, bah écoutez, on va remplacer. Bon, franchement, on a les moyens, on peut se le permettre. Bon, on va qu'elle essuie ça. Bon, du coup, il a bien été lavé le linge, en tout cas, donc ça, c'est pas mal. Ah bah, il est là, notre proprio, mais je l'avais pas vu. Je sais pas d'où il sort. Bon, et du coup, elle va pouvoir... vider la lessive et le mettre au sèche-linge. Oui, je sais, il faut que tu manges. Ouais, bah 2 secondes. J'avais pas prévu que la machine soit cassée, tu seras gentil, mais. Allez, sécher le linge. Et là, tu vas pouvoir enfin prendre ton brunch. Ah bah d'accord, tu manges comme ça dans le canapé. Ouais, ok. Bon après, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce qu'à la base, ce canapé, c'est pas un seul canapé en fait. C'est deux canapés que j'ai mis comme ça en angle. Donc du coup, ça fait un petit bug là quand elle s'assoit à cet endroit. Donc là, on va dire que c'est un bug, mais c'est ma faute. Alors, je sais pas où j'en suis au niveau des livres de charisme. Je sais pas quel volume j'avais acheté, mais dans le loot, je vais en racheter, je pense. Donc pour le charisme, bah, de toute façon, j'ai que jusqu'à volume 3, donc bah, je vais prendre le volume 3, on va voir si je peux le lire. Alors, on va ouvrir. Bah, j'ai que ça, donc on va voir, on va essayer. Ouais, ça fonctionne bien pour la compétence, donc c'est nickel. Bon, par contre, il y a du boulot encore pour arriver au niveau 8, hein. En même temps, c'est le dernier niveau, hein. Voilà, laissez faire. Par contre, elle aurait pas pu se mettre dehors, c'est pas plus sympa? Ah, peut-être qu'il fait trop frais. Ouais, après, elle a mis sa tenue temps froid, elle peut se mettre dehors, franchement, c'est plus agréable le cadre. Il y a Nicolas qui nous envoie. Il demande si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Mais attendez. Là, c'est moi aller chez lui. Non, on va pas aller chez lui, hein, clairement. Là, on soupçonne que c'est lui le photographe. On n'est jamais allé chez lui à chaque fois. C'est lui qui vient chez nous. Parce que voilà, de toute façon, on est rassuré, il y a la protection policière. Mais on va clairement pas aller chez lui alors que là, actuellement, on pense que c'est lui le photographe. Bah non, on va mettre non. Je suis désolée, mais non. Voilà, elle va décliner et comme ça, ça va. Comme ça, Nicolas, il va avoir encore plus de soupçons
il va encore plus comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voilà. Puisque vous verrez ce qui va se passer dans le machinima de fin, mais il y aura encore du lourd. Mais j'en dis pas plus. Ah, il y a une maman qui nous envoie un SMS. Ouais, elle veut qu'on aille au bar à cocktail. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, quand on fait ça, on est obligé d'y aller tout de suite. Le problème, c'est que là, moi, je voulais pas y aller maintenant. Moi, j'aurais bien voulu peut-être sortir, mais plutôt demain. Donc, là, moi, j'étais sur la compétence charisme, ça m'énerve. Non, mais c'est pas grave, on fera un truc avec nos parents demain, on verra. Ouais, mais de toute façon, on n'aura pas le temps de finir. Hein. Tellement c'est lent. Là, pour le coup, je me demande si ça serait pas plus rapide avec le miroir. Vous savez quoi, je vais essayer un peu là, le miroir. Parce que bon, là, on est qu'au volume 3 du charisme. Sachant qu'on atteint le... Enfin, on veut viser le niveau 8. Donc peut-être que ça devient un peu trop lent avec les livres. Donc elle va t'entraîner à faire un discours. Moi, je suis pas sûre que ce soit plus rapide, je sais pas. Si je regarde dans les compétences... Ah, j'ai quand même l'impression que ça va plus vite. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Par contre, il est déjà 22h, donc là, elle va arrêter. Tant pis, on n'aura pas fini aujourd'hui. Ah, mais ça va en fait au niveau de ses besoins. Ouais, mais j'aimerais bien qu'elle fasse un peu autre chose quand même. J'aimerais bien qu'on check où elle en est au niveau de l'écriture de ses livres. Ah, mais elle avait fini son dernier livre. Ah, mais oui! Je viens de me rappeler qu'on avait une cérémonie. Il me semble. Elle est quand la cérémonie? Ah bah oui, Topi Sims, voilà, c'est ça. Ok, bah... Ah non, c'est dommage, parce que du coup, si on fait que 2 jours Sims, on n'aura pas la cérémonie. Bon, c'est pas grave, je le ferai pour le prochain épisode. Comme ça, je reprendrai de suite après où je me serai arrêtée. Il y aura le dimanche à faire, qui sera non travaillé. Et on aura le lundi qui sera travaillé. Donc ouais, je garderai la cérémonie pour le prochain épisode. Mais du coup, est-ce qu'elle commencerait pas un nouveau livre? On va faire ça, hein, de toute façon... Elle continue toujours d'écrire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi pas, pour une fois, faire quelque chose un peu de fantasy? Allez, on va faire ça. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. Alors, quel est le nom du livre? Il nous propose Manège mécanique. Ouais, bah en vrai, j'ai pas vraiment d'idée, donc... Bon, on va laisser ça. Dommage qu'on puisse pas changer avec le dé, que ça nous propose pas d'autres noms. Mais là, j'avoue que j'ai pas d'inspi, donc on va laisser ça. Hein. Allez. Voilà, comme ça, elle aura commencé son nouveau livre. Et franchement, au niveau de ses besoins, ça va. Hein. Voilà, comme ça, du coup, je pense que demain, on continuera le charisme. Je veux vraiment atteindre le niveau 8. Et on invitera ses parents et je pense qu'on ira peut-être sortir en ville quelque part, on verra. Bon, je vais pas non plus la faire coucher trop tard, mais en tout cas, pour le moment, ça va, l'énergie. À 1h30, elle va arrêter là, je pense. Hein. Allez. Bon, je pense que je vais la faire se coucher direct. Ça va, elle n'est pas non plus dans une envie pressante où elle n'a pas la dalle, donc allez, au dodo. Et il est quasiment 8h quand Anta se réveille, donc bon, elle va vite passer aux toilettes, ouais, je sais, t'inquiète pas. Alors, vu qu'elle a quand même refusé l'invitation de Nicolas à venir chez lui, elle va quand même lui envoyer un texto, voilà, en mode « Désolée, enfin voilà, j'étais occupée, machin... » Pas trop non plus, voilà, qui se braque. Ah non, elle va pas flirter. Elle va envoyer un SMS. Et sinon, elle va prendre un petit déj rapide, comme ça, ça va pas prendre 30 ans. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre des céréales. Puis là, je viens de penser qu'on avait oublié le linge, là. Immaculé et sec. Ah bah nickel, du coup, on peut le ranger. Voilà, comme ça, je pense que juste après, on va terminer la compétence charisme. On va manger un morceau, ce qui sera sûrement midi 13h. Et après, on invitera nos parents, on ira en ville. En plus, il fait beau, donc c'est parfait. Allez, c'est parti. Charisme niveau 8, on y croit. On a reçu un rapport de droit d'auteur, très bien. Vint, Fumo. Ah, bah notre maman, elle se demande si je voulais la rejoindre quelque part. Bah oui, mais pas tout de suite, là. Oh là là, mais j'en ai marre. Jardin du chalet, propriété Von Hunt, ok. Oui, mais pas maintenant, là, tout de suite. Donc, bah non, encore une fois, c'est mauvais timing. Quoi. Encore la propriétaire en vide, mais c'est pas vrai. Bah, il va falloir lui ouvrir, hein. Allez, Coco, on t'invite à entrer, voilà, très bien. Du coup, il faut qu'elle arrête et qu'elle reprenne.
Ah, c'est bien ça, elle est confiante. Et du coup, quand elle est confiante, il me semble que la compétence, elle augmente plus vite. Ça, c'est bien. Mais il est sérieux, là? Mais il squatte notre ordi, quoi. Non, mais... Il a fait quoi, lui? Mais quoi? Il a cassé... Non, mais je rêve. Il a cassé notre ordi. Non, mais... Et en plus, il coûte 1400, notre PC. Oh. Non, mais... Ah, mais je crois que la prochaine fois, je le fais pas rentrer. Hein. Bon, on va le remplacer, du coup. Ah non, mais sérieux, quoi. Le mec, il vient, il sert à rien. Il se met sur notre ordi, il casse notre ordi, quoi. On ah, il est 13h passé là, et là, il faut qu'elle finisse. Au pire, on ira manger un truc en ville, hein. Ouais, on va faire ça. Si j'arrive à trouver quelque chose, ça dépend où je vais encore. Elle nous rappelle en plus. C'est bon, oui, on a atteint le niveau 8, trop bien. Allez, bah du coup, on répond. Ah oui, elle nous dit merci d'avoir suggéré de passer du temps avec... Ok. Allez, et du coup, on va sortir avec... Voilà, on va inviter nos parents. Et on sera bon. En plus, elle a besoin de social, j'ai vu, donc c'est nickel. Alors, où est-ce qu'on va aller? Bon, ça, c'est le commissariat, vous le reconnaissez. Bon, bah, la salle de sport, non. Y a ça. Après, on peut changer de monde, hein. Mais j'ai bien envie qu'on aille au bar à cocktail, ça peut être bien. Allez, on va y aller. En plus, au moins, ça va la détendre, en Théa. Et nous voilà arrivés avec nos parents au bar à cocktail. C'est vrai qu'il est joli, franchement, et j'adore le cadre. Par contre, pas sûr qu'il... Oh, il y a un jacuzzi. Oh non, mais c'est trop bien. Ah ouais, on ira après. Bon, pas sûr qu'ils vendent des trucs à manger, par contre. Donc, pour la fin... Ah, si tu commandes à manger. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on va commander? Ah ouais, du riz gluant à la mangue. Ah, c'est trop bon, ça. Allez, elle va commander ça. Et après, ils vont se commander à boire. Donc, elle va... commander une boisson... Et elle prendra... Allez, elle va tenter ça. Voilà. Par contre, c'est moi ou nos parents sont partis là? Je les vois pas. Mais attendez, c'est une blague. Oui, elle est partie. C'est quoi ce bordel là? On t'a pas ici? Mais attendez, normalement, s'ils sont dans les parages, il y a verrouillé la caméra. Mais je comprends pas, ils étaient avec nous devant et après ils sont partis. Bah, je vais essayer de les réinviter. Je suis dégoûtée là. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, c'est bon, ils vont arriver. Ah, je suis dégoûtée là, ça m'a gâché ma joie là. Bon, ils arrivent les parents ou ils arrivent pas? Ils semblent pas arriver, hein, mes parents. Ah, mais je suis dégoûtée là, je comprends pas pourquoi ils veulent pas venir. Attendez, je retente de l'inviter, mais bon, je pense que ouais, il y a un bug. Invité et le viseur aussi. Ouais. Mais d'accord, terrain actuel, bah, c'est celui-là, hein, ils viennent pas chez moi. Hein. Ah, mais je suis trop dégoûtée là, je devais voir mes parents. Et au final, je les vois pas quoi. Enfin, ils sont venus, ils étaient là. Non, j'ai cru que c'était ma mère, mais non. Oh, il y a le capitaine de la croix. Ah non, mais génial. En vrai, c'est trop drôle, c'est trop sensible de traîner dans ce genre d'endroit. Oh, j'adore. Oh, elle veut me parler, c'est génial. Bah, Thomas Ranez, après la présentation de Thomas Ranez. Mais par contre, ouais, je suis dégoûtée, elle a toujours pas mes parents. Ouais, bah, je sais pas. Franchement, là, je sais pas ce qui s'est passé. Vous me direz si vous avez déjà eu ce souci-là. Est-ce que c'est moi qui... Il y a un truc qui m'échappe, je sais pas. Il me semble qu'au départ, ils étaient là, ils étaient devant, ils sont venus avec moi. Et par contre, après, ils sont partis et là, j'ai essayé de les inviter deux fois, ils sont pas venus, voilà. Ah oui, je voulais qu'elle fasse un jacuzzi. Bon, bah, tant pis, ça aurait été trop cool qu'elle fasse un bain avec ses parents, mais bah, du coup, là, ils sont pas là, quoi. Alors non, elle va pas se baigner sans aucun vêtement, surtout qu'il y a le capitaine de la croix, donc on va éviter qu'il la voie à poil, quand même. Donc elle va juste entrer, quoi. Voilà. Comme ça, elle est bien. Ouais, donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec les parents d'Antea là. Ils peuvent pas venir, je sais pas trop pourquoi. Mais ouais, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Ah, il y a quelqu'un qui nous appelle. Ah,
Je suis riche, très riche. Rien que le mois dernier, j'ai acheté Lapin Sociable et Le Coin de Cupidon. Ok, très bien pour toi. Je les ai achetés cash, comme ça, tu as attiré mon attention. Oh non. J'espérais avoir la chance de te rencontrer en personne. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai des cadeaux pour toi. Qu'en dis-tu? Oh punaise. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai le nouveau pack, Amour Fou, et du coup, ouais, ça c'est une nouveauté, du coup, j'imagine. Mais non, là, clairement, le mec, il a l'air d'avoir deux fois notre âge, riche, non, c'est pas notre genre, ça, en fait. Donc, non, merci, c'est trop bizarre. Oui, vas-y, fais donc ça. Non, non, mais non, mais non, non, mais pourquoi il est là? Mais non, oh, attendez, il y a Nicolas, là. Oh, punaise, oh non, mais ça va pas du tout, là. Ah, bah ça va, il s'en va. Ouf. Ah oui, voilà, non, il était pas en chaussettes, il est rentré en claquettes, quoi. Par contre, hein, il nous prend en photo, mais qu'est-ce qu'il fait? Punaise. Oh là là, on va dire que le mec, ouais, il a pris une photo en mode, ouais, je m'affiche sur les réseaux, et puis il re-rentre. Par contre, on est d'accord, hein, Nicolas est quand même vachement bien foutu, hein. En même temps, il est lieutenant. Donc. Voilà. Je pense qu'Antea, elle va dire que, voilà, elle va y aller. Elle est gênée de qu'il y ait Nicolas, qu'en plus, ils se soient retrouvés dans le bain tous les deux. Donc voilà, elle va en plus, faut qu'elle passe aux toilettes, donc... Oh non, et en plus, maintenant, il y a le capitaine. Oh non, mais... Ouais. Ils se font un câlin, quoi. Ouais. Donc voilà, là, elle est gênée, elle va rentrer. Non, non, là, il y a... C'est trop, là. C'est trop pour elle, là. Donc elle va passer aux toilettes, et après, elle va rentrer. Ouais, quand même... Il est quand même bien foutu, Nicolas Berthier. Mais bon. Dommage qu'on soupçonne d'être le photographe. Hein. Franchement, j'en peux plus, quoi. À chaque fois, faut qu'il y ait Nicolas, quoi. Et là, en plus, elle était dans le bain. Et d'un coup, je le vois derrière. Oh là là. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas d'hasard. Hein. Elle sort au bar et qui sait qu'elle croise, évidemment, Nicolas, quoi. Je pense qu'on pouvait pas avoir plus gênant que ça. La salle de sport, déjà, ça commençait à être un peu gênant. Mais là, on peut pas avoir plus gênant que ça. Bon, sur ce, on est rentré chez nous. Bon, en soi, ça va encore un peu son énergie. Je pense que pour se remettre de ses émotions, d'avoir vu Nicolas, etc., là, elle va écrire un petit peu et après, elle ira se coucher. Donc, elle va reprendre l'écriture. Ah non, elle est trop mal à l'aise, je peux pas. Ah mince, ouais. Bah non, alors on va pas faire ça. Bon, par contre, est-ce qu'elle peut lire un livre? Elle va acheter un nouveau livre. Elle va prendre... Roman d'amour, allez. Et elle va prendre Les baguettes du désir. Ça me fait un peu rire le nom, mais bon, bref. Elle va prendre ça. Et ouais, elle va un peu lire. Comme ça, ça, elle ira mieux. Elle ira de suite mieux, vu qu'elle adore lire. Allez, elle lit un peu, histoire de se changer un peu les idées. Bon, elle va se coucher là, quand même, il est minuit et demi. Bon, au niveau de ses besoins, ça va. Et bah, du coup, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Donc, tant pis, on n'est pas arrivé jusqu'au dimanche. Enfin, là, il est minuit passé, donc on est dimanche. Mais ça fera trop de faire un jour en plus pour faire la cérémonie, donc je le garde pour le prochain épisode. Bon, bah en tout cas, on a atteint le niveau 8 de la compétence charisme, donc ça c'est top. Et du coup, quand elle retournera au travail la prochaine fois, elle aura sa promotion. Allez, et nous on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Et c'est avec cette image d'Antea qu'on se laisse pour cette partie let's play de cet épisode 10. Mais il y aura juste après le machinima de fin, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas le louper. Surtout qu'il va se passer du lourd. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Leave a hole in your chest. You didn't get that job, get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering, what's the point? What's the point of anything at all? But let me tell you why, tell you why. That's just life putting you through the
Salut. Salut Nicolas, entre. Merci de me recevoir. Ben de rien, c'est normal. Bon alors dis-moi, de quoi tu voulais me parler de si urgent? Du nouveau sur le photographe? Écoute, je vais être direct, mais il faut que je sache. Que tu saches quoi? Est-ce que tu penses que je suis le photographe? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Oui, j'ai besoin de savoir si je suis devenu le principal suspect. Ok, puisque tu me laisses pas le choix. Oui, je pense que tu es le photographe. D'accord, je vois. Et pour autant, tu n'as pas peur de moi. Tu te tiens devant moi comme si de rien n'était. Non, je n'ai pas peur dans ce contexte. On est chez moi, avec ma protection policière, je sais que je ne risque rien ici. Si tu voulais t'en prendre à moi, ce ne serait ni ici, ni maintenant. T'as l'air bien sûr de toi, Anthea. Pourtant, ça serait tellement facile de tenter quelque chose. Fais gaffe, Nicolas, ne joue pas avec moi. Sinon quoi? C'est pas l'envie qui manque, tu sais. Je veux juste te dire une chose, Anthea. Tu as zéro preuve que je suis le photographe. Bonne chance pour en trouver.